Hi guys, my name is Greg from UVX. I'm here to deliver one of our first welcome pack today to one of our main customers. Happy to be here. UVX is a health insurance digital platform, full and done for expatriates. So if you want to know more about it, come and follow me. Ou pas apprécié de l'expérience UX? Alors, l'expérience UX, j'ai eu cette expérience parce que mon autre assurance m'a planté en quelque sorte, et j'ai eu ce contact là, et top sympa parce que disponible. J'ai senti une disponibilité, j'ai senti le conseil sympa, et je reconnais que quand j'ai reçu le message en disant on va vous apporter le contrat en main propre, sur le coup, je me suis dit, pourquoi ? Ça peut être un peu intrusif ? Ouais, non, pas intrusif, mais il va falloir que je me bloque un peu de temps, en quelque sorte. Mais après coup, finalement, tout à fait compréhensible, parce que quelque part, vous nous assurez en tant que famille, en tant qu'habitation, et je pense que c'est une manière de faire connaissance un peu avec les personnes, quoi. Et le petit coup du thé, café et tout, sympa, quoi. Le bon clin d'œil de la boîte. Cool. Ouais. Depuis combien de temps es-tu à Singapour? Alors, on est arrivé en septembre 2015, famille de 5 personnes avec 3 enfants, plutôt des ados, avec une entrée en première et un petit dernier en CM2. On va dire le mot magique, c'est l'aventure, où tout est nouveau, tout est à découvrir, où il y a plein de choses à faire. On est un peu sorti de notre cadre confortable, maîtrisé, connu de notre région d'où on vient. Donc la barre est haute, mais il faut avancer, quoi. Folle. La chaleur en permanence. et la population qui est très... où il y a de tout, où on rencontre de tout. C'est un mot compliqué. Qu'à mon avis, au premier abord, on n'apprécie pas, parce que qui dit assurance dit risque. Et à mon avis, on se dit, oh là, si je dois m'assurer, c'est qu'il peut m'arriver quelque chose de mal. Et donc, il vaut mieux ne pas y penser pour ne pas que ça arrive. Et à l'inverse, on nous oblige à y penser, d'accord ? Mais après, une fois qu'on pense au contrat d'assurance, c'est une sécurité, entre guillemets. C'est un risque que l'on sécurise, en fait. Qu'il m'arrive un dommage et que j'en ai, et que j'ai besoin d'ouvrir un dossier. Il y en a beaucoup maintenant des assurances, que même maintenant quand on achète un ordinateur on nous propose une assurance, que quand on met un enfant à l'école on nous demande une assurance, et qu'on commence quand même aussi à se rendre compte que finalement on a énormément d'assurances et peut-être des assurances en double. Donc je pense que maintenant on est vigilant un peu à ça en se disant mais est-ce que je cotise pas déjà X fois des assurances, et voilà quoi. Il faut que ce soit clair. Une assurance, ça doit être clair.